Claric vit à Keukenhove, paisible commune rurale de 2500 habitants située dans le nord des Pays-Bas. Sa famille compte 3 chats adultes, répondant au nom de Stavro, Jack et Louis. Le premier est, en quelque sorte, le leader du trio. Claric l'avait adopté un an auparavant, alors qu'il était errant. Son passé a contribué à façonner son fort caractère, mais aussi sa compassion. Un jour, un chaton extrêmement timide s'est retrouvé dans le jardin de la propriété familiale, raconte Evelovka en Aquitaine. Personne ne le connaissait dans le quartier et il ne semblait pas avoir de maître. Stavro s'est rapidement rapproché de son jeune congénère et une belle amitié s'est peu à peu mise en place entre eux. Stavro s'est mis à veiller sur lui et même à jouer avec lui. Charlie a désormais un grand frère et une famille quelques jours plus tard, alors que Claric avait servi à manger à ses 3 chats. Elle a remarqué que Stavro n'était pas en train de se nourrir. Il avait offert son repas au chaton. Sa maîtresse a alors compris qu'elle devait désormais prévoir une 4e gamelle. Comme personne n'est venu réclamer le petit chat et constatant que les liens qui l'unissaient à Stavro ne faisaient que se consolider. Elle l'a emmené chez le vétérinaire pour un examen et des soins complets. Claric a décidé de l'adopter, lui aussi. Le chaton, qu'elle a nommé Charlie, était encore un peu craintif. Il hésitait à explorer sa nouvelle maison, mais son grand frère l'y encourageait et guidait. Il préfère toujours rester aux côtés de Stavro, mais il commence progressivement à s'ouvrir au reste de la famille, dont il fait désormais pleinement partie. 5 dangers du printemps pour le chat. On a beau se réjouir du retour des beaux jours, le printemps présente son lot de dangers pour les chats. Suivez le guide pour bien protéger votre petit félin des parasites et autres risques liés au printemps. Le temps s'adoucit, les jours s'allongent, les températures remontent, pas de doute, le printemps est là. Une bonne nouvelle pour tous, y compris pour nos matous qui adorent le soleil. Attention cependant, car la nouvelle saison ne vient pas sans son lot de dangers. Parasites, allergies et intoxications. Voici les menaces de la saison à surveiller de près au printemps pour le bien-être de votre chat. 1. Les parasites qui affectent le chat au printemps. Il est important de traiter régulièrement votre chat contre les parasites, surtout au printemps. Avec le soleil, la température monte, ce qui favorise la prolifération d'insectes comme les puces ou les tiques. Et même si votre animal sort peu, les parasites peuvent voyager jusqu'à chez vous en s'accrochant à vos vêtements. Il existe 2 types d'antiparasitaires, chacun remplissant un rôle précis. Les insectifuges ont une fonction de prévention. Ils éloignent les puces, moustiques et autres indésirables. Les insecticides, quant à eux, tuent les nuisibles en plus de les repousser. Attention à réserver chaque produit à l'utilisation qui lui est prévue. Un antiparasitaire pour chien ne s'utilise pas sur un chat, et inversement, et ces produits représentent un véritable danger pour le chat ou le chien s'il est mal utilisé. En cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire. 2. Les allergies du chat se réveillent au printemps tout comme les humains. Les chats sont susceptibles de souffrir d'allergies diverses. La plus fréquente est l'allergie aux puces, qui chez le chat se traduit par une dermatite allergique à la piqûre de puce, ou DAP. Une seule piqûre suffit à affecter un chat qui se grattera parfois jusqu'au sang. Avec le printemps, mieux vaut donc faire attention aux allergies et guetter les symptômes. Tout ? Vomissements, irritations. Dès le moindre doute, mieux vaut aller consulter un vétérinaire. Il saura trouver le bon remède pour calmer les symptômes et empêcher l'allergie de prendre de l'ampleur et devenir un vrai danger pour le chat. Par ailleurs, faites aussi très attention aux chenilles processionnaires. Urticantes et hautement allergènes, elles sont un vrai danger pour les matous. 3. Les plantes toxiques pour les chats. Le printemps rime aussi avec la prolifération de plantes et de fleurs. Si elles sont agréables à regarder et agrémentent parfaitement nos jardins, certaines plantes sont dangereuses car très toxiques pour le chat. Les moins nocives ne provoqueront que quelques irritations chez nos amis félins, comme les orties. D'autres en revanche, une fois ingérées, donneront lieu à des troubles de la digestion, chèvrefeuille, jacinthe, ou lierre par exemple, ou affecteront son cœur, aconite, muguet,
ou son système nerveux, belladone, cannabis. 4. Les risques de chute, les chats se faufilent partout, et avec les beaux jours nous avons tendance à ouvrir beaucoup plus souvent les fenêtres. Mais attention, un petit félin de compagnie a vite fait de se glisser à l'extérieur et de se mettre en danger. Bien qu'il soit un animal agile, il n'est pas rare que le chat tombe d'un appui de fenêtre ou d'un balcon. Il est donc recommandé d'être particulièrement vigilant. Même si vous avez des fenêtres battantes, les chats essayeront probablement de se faufiler dehors en prenant le risque de se retrouver coincés. Amis des chats, mieux vaut alors garder les fenêtres fermées ou y installer des sécurités, pour garder vos compagnons à l'abri d'une chute pouvant être fatale. La mue du chat au printemps, rien de plus naturel au printemps pour le chat que la perte des poils. 5. Pourtant, une mauvaise digestion peut rendre dangereuses les boules de poils que le chat a l'habitude de recracher. Elles peuvent être à l'origine de vomissements, d'anorexie ou encore d'occlusion intestinale. Il est donc recommandé d'aider à atténuer les boules de poils de nos chats. On peut par exemple aider à sa toilette pour éliminer une partie de sa mue, ou lui donner une alimentation riche en fibres pour faciliter sa digestion.